Est-ce qu'on dirait pas un petit peu? J'ai mangé du chocolat pour le goûter. <laughs> Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue du bookshelf en bon format! <laughs> euh, donc, oui, il y a déjà un premier bookshelf qui est sorti sur ma chaîne. Je sais pas encore si je vais le laisser ou pas. I don't know. But euh, aujourd'hui, on se retrouve pour un bookshelf dans le bon format. Hein, hein, merci, on m'applaudit. Merci de rien. <laughs> Euh, non, parce que vraiment j'étais un boulet, j'avais tout filmé en format portrait. Euh, mais bon, vous êtes pas beaucoup, parce qu'on n'est pas beaucoup sur la chaîne pour l'instant. Mais <laughs> il y en a certains qui m'ont demandé euh, de faire une vidéo où je vous présentais mes livres euh, en bonne qualité, hein, on va dire ça comme ça. Euh, donc, bah, c'est parti. <laughs> donc, on prend le téléphone en format paysage, bien évidemment. Alors, donc voilà, je vous montre euh, la vue d'ensemble un petit peu euh, de, bah, de ma bibliothèque. On va essayer j'ai d'abord tout en haut où on va avoir euh, mes mangas dont il y a les sept premiers, euh, premiers tomes de and Voice après il y a les deux premiers tomes de Shugoshara et le premier tome derrière le cactus le premier tome de Arte dont je vous ai encore jamais parlé je vais pas vous parler de tous les livres en détail sinon ça va prendre trop de temps je pense que voilà je vous parlerai un petit peu de, de tous mes livres euh, genre dans des vidéos en mode 5 livres qui euh, comme j'ai commencé avec le les 5 livres qui bouleverse Ensuite, ici, on va avoir un coin science-fiction, fantastique. Donc, en bas, vous allez avoir tout le fantastique et après le science-fiction. Donc, là, j'ai mis le intuition. Donc, j'ai mis le tome 1 parce que la couverture du 2 et du 3, déjà, elles sont moins belles et en plus, je les aime pas. Donc, je vais pas les afficher. Ici, sur le côté, on a la duologie de Pierre Pével. Après, juste ici, on a Le roi des fauves que voilà. J'ai mis dans ce sens là parce que sinon, on voit la quatrième de couverture. Vous verrez, j'ai fait ça déjà pour d'autres livres. Juste ici, on a mon étagère préférée, donc ça, je ne vous en parle pas, on a capté. Ici, donc, il y a la trilogie du jeu du maître, et ici, les divergents, donc c'est un coin de dystopie, et mes sagas préférées en général. Ensuite, ici, il y a les deux derniers tomes des Hunger Games. Le premier tome est dans une petite caisse que je vais vous montrer juste après. Ensuite, il y a la trilogie de la cinquième vague de Rick et Nancy, donc les deux derniers sont à la collection R, le premier non. Et ensuite, on a la trilogie des Shades de V.I. Schwab. Juste là, on va voir une grande étagère. Euh, donc, ici, j'ai mis mes classiques de la littérature. Avec d'ailleurs Tom Sawyer tout à droite qui est, <laughs> qui est à l'envers. Devant, voilà, j'ai mis euh, Cho et Fleur de Harry Potter. Donc, c'est les, les, euh, les petites figurines qu'on avait dans le calendrier de l'avant Harry Potter. Euh, pour garder ce mood un petit peu blanc, un petit peu. Co... Un petit peu calme, etc. Et après, ici mes BD sont divisés en deux parties. Donc, ici c'est mes sagas, enfin en tout cas les BD du le monde des suites. Et ici c'est bah, les autres. Ici, on a une étagère euh, adolescence, je dirais. Parce qu'on a donc les deux sagas tu ont mon adolescence. Donc, on a les Sherub. Encore une fois, voilà celui-là, il est mis comme ça. Parce que sinon, on voit la quatrième de couverture. Les Time Riders euh, se cassent un petit peu la gueule. <laughs> euh, donc, ici, du coup, on a les. Bah, merci, c'est sympathique c'est super franchement merci beaucoup hein bon du coup là ils sont un petit peu posés en éventail mais bon vas-y genre c'est pas grave et du coup après ici voilà on a les autres enfin euh, les, les neuf derniers les quatre derniers tomes putain je vais y arriver <laughs> désolée pour le vocabulaire on a les quatre derniers tomes et du coup euh, on a un petit gobelet Starbucks pour le côté adolescence Ici on a encore une grande étagère qui normalement est comblée mais bon là pas trop. <laughs> donc tout à droite vous allez avoir les Darkest Minds, donc la trilogie et euh, le quatrième tome héritage de Alexandra Bracken. Et à gauche donc ici on va avoir tout ce que Vampire Métamorphose. Après le journal de Stephen, normalement il y a les cinq vampires diaries qui sont entassés horizontalement, euh, mais bon là ils y sont pas parce que je les ai prêtés à Lucas. Et après normalement on a Moïse et les chiens qui sont adossés euh, aux vampires diaries pour euh, bah, pour le côté horrifique en fait tout simplement. Parce que je trouve que euh, le côté vampire va bien avec le côté horreur parce que ça reste un petit côté dark vous voyez. Bon là c'est juste pour vous montrer la déco mais je vais enlever la déco pour euh, que je puisse vous montrer plus en détail l'étagère. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas une étagère qui va jusqu'au bout. Donc, ça, je suis un petit peu dégoûtée parce que je trouve ça un petit peu nul. Mais du coup, sinon, ici, on va avoir Les âmes croisées de Pierre Bottero dont j'ai tout en collection. C'est quoi le rajout Ok. Euh, du coup, j'ai presque tout en collection rajout à part euh, l'autre tome 1 et tome 3 que j'ai dans le livre de poche. Ça m'énerve quand j'ai pas tout de la même collection. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, on a une étagère Pierre Bottero, donc avec le tome 1, des âmes croisées, la première trilogie, la quête des Villanes, la deuxième trilogie, les mondes des vilaines, et la troisième trilogie, le pacte des marchombres avec euh, donc un spin-off sur Elana, bon je vous ai déjà expliqué le bail, et juste ici on va avoir euh, une, vid euh, une vidéo, non, euh, l'autre, donc la trilogie euh, de Pierre Bottero, toujours. Juste derrière, le, le petit truc là... On va avoir les euh, romans de Marine Carteron, donc 10. Les d'Affaires, l'intégrale que je n'ai toujours pas lu parce qu'il faut que j'arrive à me lancer dedans. Et euh, la trilogie Génération K. Ensuite, on va avoir tous mes Anne Robia, donc le tome 1 du retour de l'oiseau tonnerre. Les ailes d'Alexandre, tome 1. Et les douze tomes des Chevaliers d'Emeraude. Et après ici, on va avoir un coin un petit peu amour, ou en tout cas, où il y a de la romance. Euh... En thème principal, on va dire ça comme ça. Donc il va y avoir une semaine c'est lundi de Jessica Brody, First Love, bad romance dont je vous ai déjà parlé. Maybe someday donc de chez Hugo Roman, Stories de Anatole... <laughs> Stories. Je prends trop l'accent. Euh, Teach me everything de Mia Carré donc là vous voyez pas le titre mais bon voilà c'est un beau petit loulou hein, un très très beau petit loulou. Le théorème des quatre est Coeur coco donc normalement il y a un autre bad romance mais je l'ai prêté à une amie. J'ai oublié de vous dire, mais ici normalement il y a l'institut de Stephen King, mais ma maman est en train de le lire, donc voilà. Ici, donc tout à gauche, on va avoir les trois premiers tomes de La Passe-Miroir en attendant le quatrième. Je sais pas si j'aurai la place de le mettre, je ne pense pas. Je réorganiserai mon, mon bookshelf à ce moment-là. Sinon, on va avoir après tous mes romans de société jusqu'à Gilles Le Gardinier, juste ici. Euh, donc avec les Marvel, bon ça, <laughs> je vous en ai déjà parlé. Geek euh, Girl, j'arrive pas à le dire avec mon appareil dentaire. Dit <laughs> geek. Bref, vous avez capté. Ici, on va voir la porte de l'eau. Les loyautés de Delphine de Vigant que je vous recommande. Mais tellement. <laughs> la vie compliquée de Léa Olivier en roman dont je vous ai déjà parlé. Flocon d'amour. Alors là, on a deux romans de l'école des loisirs que je n'ai jamais lu. Je ne sais pas si je les lirai un jour. Je les donnerai peut-être. Riverdale The Day Before dont je vous ai déjà parlé. La pire mission de ma vie. J'ai enlevé la petite bouteille. Euh, nous, les filles de nulle part. L'enfant de la source que je vais euh, bientôt lire, enfin, au mois de, de mai. Euh, je suis trop trop pressée de le lire, vraiment, enfin, waouh. Et ça peut pas rater de Gilles de Gardiner. Gilles de Gardinet, vraiment, c'est un auteur que je vous recommande, mais à fond, 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 fond. Genre, je l'adore, il est hyper drôle. Et euh, je vous recommande surtout, et soudain tout change, parce que c'était tellement tout change, en waouh. Et ici, on va avoir mes livres policiers. Donc, euh, Gilles Le Gardinet, toujours sauf que là, c'est vraiment un roman. Merci. C'est vraiment un roman policier. Euh, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, que j'ai toujours pas lu parce que, pareil, c'est un gros petit loulou. Euh, Dedans, Berlin. Euh, ne le dis à personne de Harlan Cobain. Une quintologie, donc, euh, c'est Les enquêtes du samovar. C'est. Euh, un oncle, sa nièce et le copain de sa nièce qui mènent des enquêtes. C'est vraiment bien. C'est vraiment pour les tout petits. Hein. Vous voyez, c'est tout petit. Il y a des images et tout. Enfin bref. Mais j'aime tellement. Ensuite, on va voir les sœurs serpents. Bon, ça, c'est sûr, je vais le donner parce que j'aime pas du tout. Déjà, c'est le tome 2. J'avais pas lu le tome 1. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. 48 heures de disparition que j'ai bouffé euh, en un aller-retour. Euh... Enfin bref, de voiture. Et euh, les 3 Dan Brown. Donc, il y a pas le Da Vinci code euh, parce qu'il euh, n'est pas dans le même format et bah dans la même collection et tout donc là c'est pas la même collection mais bon c'est tous des grands formats Vinci Code il est un petit format donc vas-y euh, flemme juste ici donc je sais pas si vous allez reconnaître l'endroit mais en gros je vous pose ici et je sais pas si vous me voyez mais en gros voilà après il y a moi derrière la caméra <laughs> et du coup juste ici il y a une petite caisse où en gros je mets les livres que j'ai lus pour penser à vous faire des updates lecture et quand les updates sont faits Enfin, déjà, quand je vois qu'il y a genre 2 trois livres, je vous fais un update. Parce que si ça commence à s'entasser, c'est pas bon signe. Et après, je range les livres dans la bibliothèque une fois que j'ai fait euh, mes updates. Donc là, il y a Hunger Games, tome 1, que j'ai fini depuis une semaine et demie, mais disons qu'il y a eu un petit book hangover. Vous verrez ça lors de mon update, que je retournerai je ne sais pas quand. Et en gros, il me reste très clairement une semaine pour finir mon challenge et deux livres à lire, dont euh, une, dont un roman espagnol. Donc très clairement, petit spoil, mais je ne vais pas terminer mon challenge. Juste à côté de mon meuble escalier, on va avoir un petit tube. Donc j'ai essayé de donner un côté un petit peu rétro. Donc j'ai mis tous les orphelins baudelaires. Pareil, l'étagère n'est pas terminée. J'ai vraiment le somme aussi euh, avec donc Newt Scamander, des animaux fantastiques et Enfin euh, la reine Elisabeth Non Marie Antoinette. Putain la reine Elisabeth J'ai vraiment senti ça. Du coup voilà ça donne un petit côté rétro que que j'aime bien franchement j'aime trop parce que vu que les tranches elles sont un petit peu pastelles et que Newt et Marie-Antoinette aussi enfin bref j'aime beaucoup trop. Juste ici on va avoir une une étagère assez importante pour moi bon là il y a les volets qui sont ouverts donc bon il y a des reflets je suis désolée euh, donc ça va être une étagère Harry Potter alors il manque les Reliques de la Mort parce que mon frère et ma sœur sont en train de le lire donc tout simplement voilà j'ai mis les pop les plus importantes parce que vraiment Sinon, j'en ai plein des papins, hein. j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Enfin bref, des Harry Potter, j'en ai un peu partout. Et du coup, là, j'ai vraiment mis Harry, Hermione, Ron, Rogue et Voldemort et j'ai mis donc la baguette de Suro et la baguette de Sirius euh, en boîte de Donc quand vous êtes ici, si on tourne par là, on va voir mon coin Marvel que vous apercevez un tout petit peu dans certaines de mes vidéos quand je suis pas debout, quand je suis assise. Euh, et ici il y a donc l'étagère euh, noir-blanc que j'aime beaucoup du coup à gauche vous avez le côté noir, à droite le côté blanc je pense que ça se voit quand même donc à gauche vous allez avoir Neumeur, Les énigmes de Brocéliande Une vie de Simone Veil, mon dieu je vous le déconseille euh, La mort et mon métier de Robert Mel dont je vous ai déjà parlé La piste cruelle de Jean-François Chabat que je n'ai jamais lu. Euh, samedi 14 novembre de Vincent, Vincent Villemino dont je vous ai déjà parlé, moi de Elton John et les contes de Grimm. Tu pas. Du coup voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Déjà, c'était dans le bon format les gars, dans le bon format et... Encore une fois, on m'applaudit. Merci, merci, merci. <laughs> je vous ai pas montré tous mes romans en détail, ça aurait été beaucoup trop long, très clairement, la vidéo. Elle aurait donné, enfin, elle aurait duré une heure, vu qu'à chaque fois je commence à partir euh, sur des sujets qui n'ont aucun rapport avec le livre. Donc on termine à une heure de vidéo. <laughs> Par contre, vous verrez à peu près tous les livres euh, de ma bibliothèque dans une série de vidéos, je dirais, qui euh, va comprendre 5, allez, on va dire 6 livres, s'il y a des mentions honorables. Euh, une série de vidéos un petit peu comme... Enfin, euh, que j'ai commencé avec le 5 livres qui bouleverse. Après, voilà, 5 livres que je déconseille. Normalement, c'est la prochaine vidéo. J'aime vraiment pas faire ça parce que c'est une vidéo où je vais faire que insulter des livres. Et <laughs> j'aime vraiment pas ça. Après, ce sera totalement subjectif. Encore une fois, mais bon. Et... Faut encore m'applaudir, les gars. Je me suis encore pas trompée entre subjectif et objectif. Et... Et... et je m'améliore. <laughs> Enfin bref, euh, du coup voilà, vous verrez à peu près tous les livres de ma bibliothèque euh, en petite série de vidéos comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous fais d'énormes bisous.